aujourd'hui, FAM Africa Solidarité assure la coordination de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité au Sénégal. On y va. Donc je voudrais parler des femmes dans les processus de paix. Et tout au long de mon développement ou bien de mon résumé, je pense qu'il va falloir que je résume. Je vais tenter de mettre l'accent sur l'importance de l'implication des femmes dans les processus de paix. Et je vais tenter aussi de faire la corrélation, puisque nous sommes corrélation entre participation des femmes dans les processus de paix et participation des femmes dans les instances de prise de décision, participation des femmes dans l'élaboration des politiques publiques afin qu'elles puissent trouver elles-mêmes leur place dans les politiques publiques. Je vais vous parler des projets et programmes de développement au niveau national comme au niveau local. Il y aura aussi l'accès et le contrôle des ressources. Mon prédécesseur en a parlé. Tout ça pour dire que nous sommes en droits humains. Et vous savez que il y a des caractéristiques pour les droits humains. Et parmi ces caractéristiques, je vais citer l'interdépendance. Ce qui fait que nous ne pouvons pas parler d'un droit humain des femmes sans pour autant convoquer les autres droits humains des femmes. Et que rendre effectif un des droits humains des femmes permet de faciliter aussi l'application des autres droits humains des femmes. Premier slide pour que... Le premier. Allez-y. Pour que l'Université de Bambé se voit dans mes slides, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Université de Bambé, ça, c'est FAM Africa Solidarité, qui est une ONG internationale basée à Genève et dirigée par notre grande sœur, Madame Binta Diop, envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine. Allez-y. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà le plan que je vais suivre, une petite introduction, quelques définitions, et je ne vais pas insister sur les définitions, parce que pour la plupart, c'est déjà passé en revue. Nous allons voir aussi quelques engagements du Sénégal. Bon, aussi, les femmes, un peu la situation des femmes dans les processus de paix, de politique publique, de participation publique et d'accès aux ressources au Sénégal, avec une petite conclusion que je vais vous proposer. L'objectif... Mon objectif que je vais tenter d'atteindre en 10 minutes, c'est que les acteurs clés impliqués dans l'implémentation des ODD et du PSE soient plus sensibles à la considération du genre dans les plans de travail. Allez-y. Donc là, c'est un peu le contexte mondial qui a été décliné en partant de 75 avec la décennie de la femme, jusqu'à la conférence de Beijing, jusqu'à ces évaluations, tout ça pour dire que, de plus en plus, la question genre prend une importance. Et l'égalité des sexes aussi reste un thème plus que jamais d'actualité. Nous avons vu avec les premiers intervenants l'agenda 2030, avec les 17 objectifs du développement durable, il faut aussi les convoquer. Là, c'est pour juste pour dire que, il y a quand même longtemps dans le passé, les femmes étaient plus... objet que sujet de droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme elles avaient besoin d'être accompagnées pour des raisons de sécurité, on les gardait comme on gardait les biens, ce qui les dévalorisait un peu. Mais à présent, il est incontournable de promouvoir et reconnaître les droits de la femme et sa contribution au développement des nations. C'est pourquoi nous allons voir un peu l'application des instruments de protection des droits des femmes dans les processus de paix, notamment la résolution 1325, le protocole de Maputo. Nous allons voir un petit peu la progression de l'accès des femmes à la prise de décision et aux ressources. Nous allons aussi voir l'intégration de la problématique genre dans les politiques publiques de développement.
quelques définitions. Nous n'allons pas nous y attarder. Quelques définitions, nous avons tenté de définir le genre. Mais c'est tout juste pour voir quelle est l'importance de la définition du genre et sa prise en compte dans les politiques publiques. En fait, c'est pour la promotion de l'égalité des femmes et des hommes en prenant en compte les différences naturelles et sociales. D'ailleurs, au niveau de l'Observatoire national de la parité, qui s'occupe du suivi de la parité, mais aussi du suivi et de l'évaluation des questions d'égalité dans les politiques publiques. Et ça, beaucoup ne le connaissent pas. D'habitude, au Sénégal, on pense que l'Observatoire national de la parité ne s'occupe que de la parité. Mais en réalité, dans ses missions, l'Observatoire s'occupe aussi de l'évaluation des questions d'égalité dans les politiques publiques. Cet observatoire est en train de construire un indice qu'on appelle l'indice de l'égalité, en collaboration avec les services de l'État, notamment le ministère des Finances et l'Agence nationale de la statistique. Là aussi, c'est une petite définition de la pauvreté, mais nous allons plus retenir la pauvreté, que la pauvreté touche plus de femmes et de jeunes au Sénégal. Les chiffres que nous avons, c'est que 58% des pauvres sont des femmes au Sénégal. Les ODD, ce n'est pas de trop que d'essayer de les définir aussi, surtout en insistant sur l'aspect amélioration des objectifs qui ont été plus ou moins atteints avec les OMD. Donc, c'est une amélioration des OMD avec l'intégration de nouvelles préoccupations telles que les changements climatiques, la paix et la justice, entre autres priorités. Là, c'est tout juste pour rappeler. Maintenant, les processus de paix. Là aussi, nous allons dire que les processus de paix sont les efforts entrepris par les parties impliquées dans un conflit et d'autres bonnes volontés. Parce que dans les processus de paix, en général, il y a toujours des facilitateurs qui peuvent être la communauté internationale, l'émanation de la communauté internationale, régionale, nationale ou locale, pour prévenir un conflit, trouver une solution durable à un conflit ou tout simplement consolider la paix. Donc la Commission mondiale pour l'environnement et le développement nous dit qu'un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, est un développement durable. Nous allons voir quelques engagements du Sénégal relativement à l'implication des femmes dans les processus de paix. Et là, en premier, nous avons la résolution 1325. D'habitude, on dit la résolution 1325 et suivante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui évoque la prévention, la recherche et la consolidation de la paix, mais aussi la résolution 1820 qui vise à éradiquer les VBG, les violences basées sur le genre, en période de conflit et de post-conflit. Mais dans cette résolution, au-delà de la volonté politique, il est préconisé aussi la formation et la sensibilisation pour éradiquer, contribuer à éradiquer les VBG. Nous avons la résolution 2272 qui vise les missions de maintien de la paix, c'est la politique tolérance zéro aux abus sexuels. Au niveau de l'Union africaine, nous aimons rappeler toujours le protocole de Maputo, qui est le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, qui, dès son préambule, met l'accent sur la nécessité d'impliquer les femmes dans les processus de paix. Il y a aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont le sixième des sept points met l'accent sur le développement axé sur les populations en s'appuyant notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes. Il y a l'agenda 220 de l'Union africaine qui recommande de taire les armes au risque de voir les conflits compromettre les actions de développement et la décennie de la femme aussi de 2010 à 2020. Au niveau régional, nous avons le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce protocole met aussi l'accent sur la participation des femmes à la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. L'acte additionnel aussi, au niveau de la CEDEAO, qui met l'accent sur les spécificités de la sous-région,
notamment sur aussi la contribution et la présence des femmes dans les instances où les programmes sont déclinés. Maintenant, quelle est la situation des femmes dans les instances de prise de décision au niveau des politiques publiques, des processus de paix et d'accès aux ressources? D'abord, nous allons essayer de voir qui sont les femmes au Sénégal. Au Sénégal, les femmes constituent 51,1% de la population. Elles constituent également 53,0% contre 49,7% d'hommes dans la population électorale. Elles jouent un rôle déterminant dans l'économie nationale et constituent une force motrice, un poids électoral non négligeable. Voici ce que sont les femmes au Sénégal. Pour leur participation politique, avec l'application de la loi sur la parité, la loi 2010-11 du 28 mai 2010, nous avons eu... Ah, c'est fini. D'accord. Donc voilà, je vous laisse lire les slides. Donc c'est tout juste pour donner ce que le résultat de l'application de la loi sur la parité. La première application en 2012, la deuxième application en 2017 au niveau de l'Assemblée nationale, l'application en 2014 au niveau des collectivités territoriales. Les femmes dans les politiques publiques, pour dire que là, il n'y a pas de statistiques pour le moment. Et c'est le problème de l'Observatoire national, ce qui a fait que l'Observatoire est en phase d'élaborer l'indice de l'égalité pour pouvoir mesurer le niveau de prise en compte des femmes dans les politiques publiques, les femmes dans les processus de paix. Ce que je dirais est que les femmes doivent être considérées désormais comme des vectrices de paix et non pas comme des armes de guerre ou autres. Situation dégradante. Les femmes dans les processus de paix aussi toujours. Ce que nous avons actuellement comme existant au Sénégal, c'est la plateforme de veille des femmes pour la paix en Casamance, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Etouyamou, qui a été mise en place par FAS. Et cette plateforme fonctionne depuis 2012 avec des résultats palpants. Au niveau régional et sous-régional, nous avons à l'Union africaine Femmes Wise, qui est une organisation de femmes médiatrices au niveau de l'Union africaine. Nous avons la même chose au niveau de la CEDEAO. L'ONG FAS œuvre depuis plus de 20 ans à la promotion du leadership des femmes dans la prévention, le dialogue et la médiation et dans la consolidation de la paix. Une de ses réussites majeures, c'est la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité. Ça, c'est la dernière rencontre de Femmes Wise à Addis Abeba. Elles sont là, les médiatrices africaines. Quant à l'accès aux ressources, je pense que ce sera un très bref résumé. Nous mettons l'accent sur l'accès à la terre et au crédit pour dire que l'accès est loin d'être égalitaire. Parce que dans une situation où 70% de ceux qui travaillent la terre ne possèdent que 2%, je ne vais pas mettre l'accent sur la différence entre accès et contrôle. Je pense que mon prédécesseur l'a déjà fait. Donc ce qu'il faut constater est que la coutume résiste toujours à la loi. Au niveau du crédit aussi, il y a toujours des problèmes. 85% d'agricultrices africaines n'ont pas accès au crédit, selon la FAO. Donc, en conclusion, Madame la modératrice, nous dirons que les gouvernements ne doivent plus se contenter de laisser dans l'ombre les contributions des femmes dans la négociation de la paix. Plutôt, ils devront désormais considérer les droits des femmes à participer à part entière au processus de paix, ce qui leur donne un pouvoir de se protéger de certaines violences qui sont mentionnées ici en bas, il y en a beaucoup. Et le dernier, toute mesure politique doit être analysée pour apprécier si et comment elle améliore, détériore ou n'influence pas la situation spécifique des femmes, des familles et des communautés pour que progressent les ODD. En tout cas, FAS recommande que les universitaires et les acteurs de la société civile continuent à travailler la main dans la main afin que le genre soit bien intégré pour l'atteinte des ODD au Sénégal à l'horizon 2030. Je vous remercie de votre patience.